Aujourd'hui, nous sommes le 22 août et nous allons commencer cette méditation quotidienne avec le psaume 22. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi ne me sauves-tu pas ? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas de honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres. Hoche la tête. Remets ton sort au Seigneur. Il lui donnera d'échapper, il délivrera, puisqu'il a pris plaisir en lui. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi j'ai été jeté depuis le sein maternel. Depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entourent, des bêtes du Bassan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche, comme un lion qui déchique et rugit. Je me répands comme l'eau, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle, ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'auroch. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Tous les clans des nations se prosterneront devant lui. Car le règne appartient au Seigneur, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Amen, amen Seigneur, et c'est encore ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas agir avec puissance, avec autorité, car tu es le Seigneur Tout-Puissant en qui nous mettons notre confiance. Alors aujourd'hui, pasteur, nous allons commencer cette méditation sur quel verset ? Aujourd'hui, nous allons le prendre dans Jacques, chapitre 2. Verset 14, qui nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi, peut-elle le sauver ?» Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La foi a des actions correspondantes ». Amen. Croire vraiment implique d'agir en fonction de la parole de Dieu. Je me sers de cette phrase depuis longtemps, puisqu'elle est très simple à comprendre. Agissez donc en fonction de la parole.
C'est cela, croire la Bible. C'est agir selon la parole. En Marc, chapitre 2, quatre amis amenèrent leurs camarades dans la présence de Jésus. À cause de la foule, ils ne purent pénétrer dans la maison où Jésus enseignait. Ils le firent descendre alors par le toit. Ce récit illustre des choses importantes à propos de la foi que j'aimerais vous faire observer. Selon Marc, chapitre 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Peut-on voir la foi de ses yeux? Non, car elle vient de l'esprit. On ne peut pas voir les choses spirituelles de nos yeux. Réfléchissons au domaine naturel pendant un instant. Pouvez-vous voir le vent, par exemple? Non, mais vous pouvez voir les résultats du vent. Il y a un récit biblique qui parle de ça. Amen. Alors que vit Jésus lorsqu'il aperçut leur foi? Ben, il vit leur action. Ils ont vu que, je ne sais pas moi, si tu prends un malade, tu découvres tout le toit et tu le passes par le toit, tu le fais descendre. Il a vu leur détermination. Ben, il a vu que je dis, mais regarde qu'il n'y avait pas de possibilité pour eux de passer. Ils ont dit, mais je passerai. Amen, amen. Comme tu le dis bien souvent quand tu as tes prières de bataille, de combat, d'intercession. Amen. Hein? Ce amen. Sont les violents amen. Qui remportent la victoire. C'est vrai. Dans Jacques, chapitre 2, verset 20, il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Une autre version le traduit ainsi, « La foi sans action correspondante est morte. » C'est-à-dire, « Montrez-moi votre foi sans vos actions, et je vous montrerai ma foi par mes actions. » Jésus vit les actions des quatre hommes et de leur ami paralytique. Ils étaient résolus. Il croyait. Alléluia. Et oui, comme ce passage le disait mon frère et ma sœur, de Marc chapitre 2, verset 5, Jésus voyait leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Regardez que le contexte de Marc chapitre 2, verset 5, c'est qu'ils ont pris un homme pour qu'il soit guéri de la maladie. Mais regardez que Jésus ne le guérit pas tout de suite. Jésus dit une chose d'abord importante. Voici pourquoi je suis venu. Le plan de rédemption pour toute l'humanité. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Je répète, Dieu est un Dieu d'ordre. Et le principe spirituel de la foi, c'est ça. C'est que d'abord, il vient t'apporter, nous apporter le salut de notre esprit. Une fois que l'esprit pénètre notre esprit à nous, là, nous sommes nés de nouveau. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail, comme nous avons dit il y a quelque temps en arrière, il y a une pénétration, je vais dire, de l'esprit de Dieu dans maintenant, dans notre âme, qui va aller purifier notre âme, qui va restaurer notre âme, qui va encourager notre âme, qui va purifier notre âme. Et puis, de notre âme, ça va injecter maintenant dans notre corps. Et c'est exactement ce qui est mis dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Nous avons vu tantôt, c'était Marc, chapitre 2, verset 5, mais dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il nous est dit, « Mais il était blessé pour nos péchés. » Donc là, on voit qu'au travers de la mort à la croix de Jésus, nous accédons au salut de notre esprit. Brisé pour nos iniquités. Qu'est-ce qu'il nous veut dire par brisé pour nos iniquités? Là, nous avons tout le plan de rédemption de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Il était blessé pour nos péchés. Donc ça, c'est le salut de notre esprit. Puis il dit, brisé pour nos iniquités, c'est la délivrance que doit avoir notre âme, mon frère, ma sœur. La délivrance, comme on dit, c'est de chasser ces esprits mauvais qui ont été imprégnés dans notre âme, qui nous ont conduits avant notre conversion par l'esprit de notre âme.
tout ce que l'ennemi nous a fait faire. Certains, c'est le mensonge. Certains, c'est le vol. Certains, c'est l'adultère. Certains, c'est le mépris. Certains, c'est la rébellion. Certains, ce sont toutes ces choses-là qui ont souillé notre âme. Nous voyons qu'il y a le salut qui rentre par l'Esprit, mais après, nous voyons que l'Esprit Saint vient faire un nettoyage de notre âme, vient expulser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et puis il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et là, il parle du plan de la guérison de notre corps, mon frère, ma sœur. Nous avons dans ce simple verset d'Ésaïe chapitre 53, verset 5, le salut de notre esprit, le salut de notre âme et le salut de notre corps. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le plan que Dieu a fait. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans la confusion avec ça, mon frère, ma sœur. Nous croyons, comme il est mis dans Marc chapitre 2, verset 5, où voilà, Jésus dit, voilà, tes péchés sont pardonnés. C'est quelque chose que quelque part, toi et moi, nous ne voyons pas. Nous allons le savoir et le voir. Quand est-ce que, quand Jésus va revenir, qu'il va vouloir enlever son église, si nous sommes enlevés, ça veut bien dire que notre esprit, là, a été régénéré. Nous sommes sauvés. Il n'y a que là que nous le voyons. Ou sinon, comme ça, comment moi, Salvatore, je peux voir que tes péchés t'ont été pardonnés? Comment le savoir? On ne peut pas le voir. Mais seulement, je peux le voir autrement. Je peux le voir qu'à partir du moment où tes péchés te sont pardonnés, mon frère, ma sœur, tu vas avoir une sainte crainte de Dieu. Amen. Tu vas dire, voilà, non, Dieu ne veut pas que je mente, je ne mentirai pas. Dieu ne veut pas que je vole, je ne volerai pas. Dieu veut que j'aille à mon église locale, j'irai. Amen. Là, je vais voir un fruit indirect, mais je vais le voir avec mes yeux. Là, je pourrais dire, oui, voilà, ce frère, cette sœur est réellement né de nouveau. L'Esprit de Dieu habite dans mon frère, habite dans ma sœur. Et puis, nous avons ce travail où, comme je dis, voilà, quelqu'un peut rentrer dans une église avec tous ses péchés, c'est pas un souci, mais j'ai cette certitude, moi, le pasteur Salvatore, que Dieu va l'en délivrer de tous ses anciens travers, au travers que, brisé par ses iniquités, il a été guéri, ce frère et cette sœur-là, parce qu'il va remettre sa vie en ordre et on va voir ces démons qui vont être expulsés de son âme. Donc, aujourd'hui, cette église européenne, malheureusement. Et oui, on croit à ce miracle spirituel non visible quelque part, premièrement, je veux dire, dans un premier plan, on ne le voit pas. Voilà, les péchés sont pardonnés. Mais puis, on a cette église européenne surtout, où on voit que les chrétiens sont là avec leurs démons dans l'église. Et de temps en temps, il suffit d'un petit pic, bam, on voit une colère qui se réveille. On voit des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, aller dans l'église et avoir une double vie. Ben, c'est que encore le salut de l'âme n'est pas encore arrivé. La purification de l'âme n'est pas arrivée. Parce que les disciples qui savent qu'ils doivent aussi avoir, comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit trouvé irrépréhensible pour l'avènement, donc le jour où le Seigneur va venir. Il doit être trouvé irrépréhensible, ça veut dire sans tache. Donc quand l'esprit, l'âme et le corps sont en parfaite harmonie. Donc, ce que tu penses, l'esprit, ton âme le fait. Et ton corps est obligé d'être soumis à l'esprit et à l'âme. Mais quand l'âme n'est pas délivrée, ben, l'âme dit, oh mais l'esprit me dit que je ne dois pas mentir. Mais j'ai peur. J'ai peur des conséquences si je dis la vérité. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va mentir. Il va agir selon le fruit de la chair. Mais si l'âme est délivrée, l'esprit est né de nouveau, donc régénéré, ben, le corps dit, voilà, ils sont deux contre moi. Le corps va dire à l'âme, non, allez, on va mentir. Qu'est-ce que l'âme va dire? Non, hors de question. Donc automatiquement, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir suivre ce que l'esprit et l'âme disent. D'où l'importance, mon frère, ma sœur, surtout pour ceux qui sont dans l'Église européenne, d'avoir la délivrance dans leur âme, mon frère, ma sœur. Oui, nous sommes régénérés dans l'esprit. Oui,
nous devons, à la lumière de Ésaïe chapitre 53, verset 5, avoir une délivrance dans notre âme. Nous l'avons déjà expliqué auparavant, il y a quelques semaines. Et puis, mon corps va suivre. Et oui, à partir de là, certaines maladies vont tomber en poussière parce que le corps sera assujetti à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit humain et à l'âme du chrétien. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour ce que tu viens de nous révéler. Seigneur, nous voulons encore faire cette bonne déclaration aujourd'hui. Ma foi doit avoir des actions qui correspondent l'un à l'autre. Je dois démontrer ce que je crois. Sinon, c'est une foi morte. Je crois à la parole de Dieu et c'est pourquoi j'agis en conséquence. Mes bien-aimés, je vous invite vraiment à suivre l'exemple de ce passage qui disait que ils ont amené le paralytique devant Jésus parce qu'ils avaient cette ferme conviction qu'il était capable de le délivrer de cette paralysie, de le relever de son lit de paralytique. Ils étaient fermement ancrés sur cette conviction et rien, je dis bien rien, ni personne n'a pu les arrêter. Il pouvait y avoir une foule aussi nombreuse que possible devant leurs yeux. Ils ont cherché et cherché un endroit où ils pourraient entrer. Par quel moyen nous allons entrer? Ils n'ont pas cédé à l'obstacle qu'il y avait devant leurs yeux. Ils ont tourné autour de cette montagne et ils ont dit en leur cœur, « Si nous ne pouvons pas rentrer par la porte, nous ferons le tour, peut-être que la porte par derrière est ouverte. » Et ils ont tourné autour de cette maison, mais comme la porte de derrière n'était pas ouverte ni accessible, ils ont regardé les fenêtres. Mais par les fenêtres, il y avait tant de personnes accumulées qu'ils n'ont pas pu entrer non plus avec ce lit de paralytique et leur ami. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté à l'étage, sur le toit, et ils ont commencé à démonter tout ce qu'il y avait sur ce toit pour pouvoir faire descendre le lit du paralytique afin qu'il arrive devant les yeux de Jésus-Christ. Ils n'ont pas faibli dans leur foi, ni face à leurs obstacles. Et mes bien-aimés, c'est cette détermination que nous devons avoir dans notre cœur. Être prêt, coûte que coûte, à vraiment avoir accès à Jésus-Christ et à ce qu'il nous a promis. Si Jésus-Christ pose les yeux sur notre ami, nous sommes persuadés qu'il va le relever, qu'il va le guérir. Nous devons arriver jusque là-bas. Comme le pasteur le disait, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et de toutes ces bénédictions qui sont en réserve pour nous. Vos bénédictions se trouvent là-bas, mes bien-aimés, dans le royaume de Dieu. Elles sont déjà prêtes. Elles ne demandent qu'à la foi d'aller la chercher. Mes bien-aimés, ne baissez pas les bras devant les obstacles, quels qu'ils soient, devant les personnes qui vous disent que vous ne serez jamais guéri, devant les médecins qui disent que c'en est fini pour toi. Ne baissez pas les bras, parce que l'Éternel a déjà déclaré dans les cieux et sur la terre que tu seras guéri. Amen. Tu seras guéri. Est-ce que tu vas oser croire à cette parole? Est-ce que ta foi va démontrer ce que tu déclares par tes lèvres? Est-ce que ton cœur va oser croire à cette parole qui vient des cieux? Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est encore ce qui crie aujourd'hui vers vous, mes bien-aimés. À chacun de ses enfants, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. » Et encore aujourd'hui, bon nombre de nos frères et de nos sœurs se trouvent devant cette foule innombrable. Ils sont stoppés devant leur élan. Ils croient pendant un instant que c'est possible aussi pour eux. Mais quand ils voient les obstacles, les difficultés, la foule devant eux, ils s'arrêtent sur leur élan et ils ne vont pas plus loin. Mais bien aimé, c'est aussi ce qui s'est passé pour la femme à la perte de sang. Mais elle ne s'est pas non plus arrêtée devant la foule. Savez-vous que cette femme a risqué sa vie quand elle a été au milieu de la foule? Parce qu'à l'époque, une femme qui avait une perte de sang ne pouvait pas se permettre d'aller au milieu de la foule. Sinon, elle pouvait être lapidée.
Elle risquait sa vie, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a bravé les foules, elle a bravé les gens, elle a bravé les difficultés, le danger pour sa vie. Elle était déterminée dans son cœur, mes bien-aimés, déterminée dans son cœur. Peu importe, je toucherai ne fût-ce que le bord de son vêtement et je serai guérie. Je serai guérie. Tous les médecins que j'ai été voir n'ont rien pu faire à ma situation, n'ont rien changé à ma situation, quel que soit leur traitement. Ils n'ont pas changé la moindre chose dans ma vie. Cette maladie était toujours là. Cette perte de sang était toujours là après 12 ans. Et elle était de mal en pis, mais elle a fait descendre cette conviction dans son cœur en disant « C'est l'Éternel qui me guérit. Et si je touche, ne fût-ce que le bas de son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Je vais le toucher. Je vais aller jusqu'à lui. Je vais le toucher. » Je suis déterminée, je suis convaincue et j'irai jusqu'au bout. Je veux prouver au monde entier que j'ai la foi pour être guérie, que Jésus-Christ va me guérir. Et mes bien-aimés, lisez cette histoire, imprégnez-vous de cette histoire jour après jour, à l'heure même où sa main a touché le bord du vêtement. Une force est sortie de Jésus-Christ et elle a été guérie, complètement guérie. Amen. Elle fut la seule à être guérie, mes bien-aimés. Cela doit nous faire réfléchir. Cela doit vraiment nous booster dans notre foi et dans notre détermination. Elle a reçu ce en quoi elle croyait. Mais elle a aussi reçu le fruit de sa détermination, de son action. Elle s'est mise en marche. Elle a fait une œuvre. Elle a fait un acte de foi. Et elle a reçu. Pas la foule qui était autour de Jésus-Christ et qui le touchait aussi. Non, elle, dans son cœur, était déterminée et elle a prouvé par ses actes qu'elle avait la véritable foi. Peut-être une foi sainte comme un grain de sénevé, mais ce fut suffisant pour faire sortir une force de Jésus-Christ et pour guérir cette femme de la tête aux pieds. Elle fut guérie à l'instant. À l'instant. Mes bien-aimés, je vous laisse avec cette réflexion. Qu'elle puisse tourner dans vos esprits tout au long de cette journée et vous faire descendre cette foi inébranlable dans vos cœurs. Soyez déterminés. Prouvez à l'Éternel que vous croyez en lui, que vous croyez à ses œuvres qu'il a faites sur la croix pour cette rédemption parfaite. Là, il nous a acquises à l'œuvre de la croix. Son plan est parfait et il vous le donne aujourd'hui. À tous ceux qui croient, il la donne. Il donne la guérison, la délivrance et le pardon des péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis mes bien-aimés. Passez une excellente journée dans la présence du Père. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.